Il faut d'abord excuser mon retard. Le mot bouchon et ses deux sens ont pour les Britanniques l'espoir et le désespoir combinés dans ce mot. Donc. Et puis, screech. Et j'ai été pris dans un bouchon. Il faudra m'excuser. Plus tard, peut-être nous découvrons ce mot d'une meilleure manière. Courir encore plus vite. C'est un titre bizarre. Mais c'est un titre qui vient d'une certaine manière de penser sur économie libidinale de Jean-François Lyotard. Et je vais parler d'économie libidinale par rapport à la philosophie du temps. Parce qu'il me semble que Deleuze et Lyotard se rencontrent autour d'une certaine philosophie du temps, mais que au sein de cette rencontre, il y a des différences fort intéressantes qui expliquent pourquoi, d'un point de vue éthique, par rapport au temps, il y a des différences entre ces deux penseurs. Donc, courir encore plus vite est une question qui ressort d'une lecture de John Maynard Keynes par Lyotard. On oublie souvent que Lyotard s'est intéressé à travers toute sa carrière à l'économie et d'une manière fort subtile. Et surtout par rapport au temps, justement. Et dans le livre « Économie libidinale », il s'intéresse au temps par rapport à Keynes et la crise de 1929. Mais cet intérêt continue et on la retrouve dans le différent, par exemple, quand il explique le genre économique par rapport à gagner du temps, toujours gagner du temps, qui nous rapporte vers Capital volume 1 et les réflexions de Marx sur la journée de travail, où il y a toujours cet impératif de gagner du temps. Donc je vais lire les phrases de Keynes d'abord, pour mettre le contexte, et c'est un contexte que nous allons tout de suite reconnaître d'être un contexte qui n'est pas le nôtre, mais qui est encore un risque pour nous. Voilà. Je vais lire en anglais et souligner certaines paroles, et puis faire retour à Deleuze après. Mais je vais plutôt parler de Lyotard et un peu de Deleuze plus tard. Donc, John Maynard Keynes. En fait, c'est des phrases citées par Jacques Néré, qui a écrit son livre « La crise de 1929 », sur lequel Lyotard s'appuie dans « Économie libidinale ». Et voici les phrases de Keynes. « In Moscow, the unwillingness to hold money, except for the shortest possible time, reached at one period a fantastic intensity. » Et c'est cette phrase, a fantastic intensity, une intensité fantasque qui a intéressé Lyotard. Parce qu'il s'intéresse au moment où le temps s'accélère à un point où le temps devient invivable, insoutenable, induit une certaine folie, qu'il veut ramener à un très beau concept dans le livre Économie libidinale, le concept du labyrinthe. Le labyrinthe, c'est justement un moment où il y a cette intensité, cette accélération du temps qui induit une folie, un désordre. If a grocer sold a pound of cheese, donc c'est un marchand de fromage qui doit courir de plus en plus vite. He ran off with the rubles as fast as his legs could carry him to the central market to replenish his stocks by changing them into cheese again, lest they lost their value before he got there. Donc, c'est une période d'hyperinflation, et chaque fois que ce pauvre marchand de fromage reçoit des roubles, il doit courir acheter du fromage aussi vite qu'il le peut, mais c'est une période d'hyperinflation, donc la monnaie perd sa valeur à une vitesse insoutenable.
as fast as his legs could carry him. Et cette expression-là aussi intéresse Lyotard. C'est pas seulement l'intensité de la vitesse du temps, mais c'est l'effet de cette intensité sur le corps qui intéresse Lyotard dans l'économie libidinale. Lest they lost their value before he got there. Thus justifying the provision of economists in naming the phenomenon velocity of circulation. Velocity of circulation. La monnaie circule de plus en plus vite dans ces moments d'hyperinflation. Et Keynes continue avec une autre histoire. Il y a des centaines d'histoires comme ça sur l'hyperinflation en Russie et en Allemagne dans les années autour de 1920. C'est plutôt que 1929, il faut le dire. Néré parle de la crise de 1929, mais ce livre de Keynes date de 1923. Donc, c'est important de faire cette différence. Et Keynes continue. In Vienna, during the period of collapse, mushroom exchange banks sprang up at every street corner. Donc, il fallait avoir des banques sur chaque coin parce que la monnaie baissait en valeur tellement vite qu'il fallait avoir une banque juste à côté de l'échange, à chaque fois. Where you could change your krona into Zurich francs, dans une monnaie plus forte étrangère, within a few minutes of receiving them. Encore cette accélération du temps qui intéresse Lyotard. Voilà, c'est les minutes qui se rétrécissent. Within a few minutes of receiving them, and so avoid the risk of loss during the time it would take you to reach your usual bank. It became a seasonable witticism. Voilà encore une blague. Keynes est un très très bon écrivain. Et ce livre assez tôt de Keynes annonce les idées qui suivront dans la théorie générale. Encore un livre sur lequel Lyotard s'appuie dans Économie libidinale. It became a seasonable witticism, Keynes continue, to allege that a prudent man at a cafe ordering a bock of beer should always order a second bock at the same time, even at the expense of drinking it tepid, lest the price should rise meanwhile. Donc, toujours acheter deux verres de bière dans ces temps d'hyperinflation. You still do, but for different reasons. Je vais maintenant me tourner vers deux textes fort proches, page 289 et 290 de l'Anti-Oedipe. Je sais que beaucoup d'entre vous vont parler de ces passages plus tard dans ce colloque, et je ne vais pas m'intéresser à ces passages autour de la question du signifiant, de la sémiologie, du structuralisme, mais plutôt d'un éloge et puis d'une critique que Deleuze et Guattari font de Lyotard dans ces deux textes. Je vais les lire dans leur intégralité, mais je veux ressortir certains concepts. Le premier texte, donc l'éloge, c'est des belles phrases de Deleuze et Guattari sur Lyotard. L'extrême importance du livre récent de Jean-François Lyotard, c'est d'être la première critique généralisée du signifiant. Dans sa proposition la plus générale, il continue, en effet, il montre que le signifiant se montre aussi bien dépassé vers l'extérieur par les images figuratives que vers l'intérieur par les pures figures qui les composent, ou mieux, le figural qui vient bouleverser les écarts codés du signifiant, s'introduire entre eux, travailler sur les conditions d'identité de leurs éléments. Je veux porter notre attention sur trois concepts. D'abord, le concept de dépasser, qui est très important dans la relation, dans le lien qui se fait entre l'Anti-Oedipe et discours-figure. C'est sur discours-figure qu'il parle en ce moment. Et discours-figure de Lyotard.
tous deux cherchent un dépassement de l'intérieur et de l'extérieur. Et ce dépassement doit, second concept, bouleverser, doit tout renverser. Les écarts codés du signifiant s'introduire entre eux. Et troisième concept, il doit travailler sur les conditions d'identité. Donc c'est la question de travail, de transformation. Tout change dans ce bouleversement. Et là, Deleuze, Guattari et Lyotard sont ensemble, dans une certaine révolution et résistance et possibilité de renouveau à travers la philosophie et de leurs travaux. Et puis, une page plus tard, Deleuze et Guattari, d'une manière assez surprenante, se permettent des mots beaucoup plus négatifs envers Lyotard, qui m'ont beaucoup surpris la première fois que je les ai lus. Mais d'où vient pourtant l'impression du lecteur, disent-ils, que Lyotard n'a de cesse d'arrêter le processus et de rabattre les skits sur les rivages qu'il vient de quitter. Territoire codé ou surcodé, espace ou structure, où ils ne font qu'apporter des transgressions, des troubles et des déformations, malgré tout secondaires, au lieu de former et d'emporter plus loin les machines désirantes qui s'opposent aux structures, les intensités qui s'opposent aux espaces. Nous voyons tout d'abord qu'il est question maintenant de fuite et de lignes de fuite, et de lignes de fuite qui sont d'une manière, d'après Deleuze et Guattari, je ne pense pas qu'ils aient raison, ou du moins, je ne pense pas qu'ils aient raison pour les raisons qu'ils donnent. Ils pensent que Lyotard s'arrête trop tôt, ou plutôt se rabat. Donc, le processus s'arrête, premier concept, il se rabat sur les rivages, et il n'apporte alors que des transgressions. Il reste au sein d'un système ou d'une structure où il y a des transgressions, mais pas justement une fuite. Des troubles et des déformations. Et puis cette phrase malgré tout secondaire, où l'on voit que cette résistance de Lyotard se passe toujours ou est encore sur la marge, d'après Deleuze et Guattari. Je vais parler un peu plus à propos de cela dans quelques instants, mais je veux décrire quelques, ou donner quelques indices du moins, de ce qui se passe ici. Et ces indices sont d'une manière d'une esquisse, sketch. C'est le bon mot, sketch, esquisse, d'une esquisse. Pour Lyotard, ce n'est pas une question de se rabattre et de faire un retour. C'est plutôt qu'une fuite n'est pas possible. La crise qui est due au temps, que l'on retrouve au sein d'un labyrinthe quand le temps s'accélère, est telle que toute fuite est impossible et bloquée. Et elle reste bloquée par l'effet du labyrinthe sur le corps à travers le temps. Donc il y a quelque chose qui se passe dans le temps, une accélération qui arrive à une vitesse vertigineuse où un événement se passe. Et cet événement au sein du labyrinthe est tel qu'il n'y a pas une possibilité d'une ligne de fuite. Il faut rester dans le labyrinthe, mais faire un passage, un changement, face à cet événement. Je vais passer à deux paroles de Lyotard, qui commence à montrer sa manière de penser là-dessus, et puis je vais le citer à plus de longueur.
Voici la première phrase de Lyotard dans Économie libidinale sur Keynes. Et c'est une belle phrase parce que Lyotard essaie de rendre Keynes, ou plutôt a reconnu dans Keynes, une dualité, une duplicité, pour reprendre une idée de Lyotard. C'est que Keynes, le livre de Keynes, est un livre justement keynésien, où on essaie de voir ces moments d'accélération qui mettent tout un système économique à risque, en danger. Et ce que Keynes essaie de faire, c'est de rétablir la bonne circulation, de ramener l'inflation, mais somme toute, de ne pas changer le système en soi, de ne pas chercher une révolution. Mais Lyotard, avec son humour formidable dans Économie libidinale, dit ceci, et je le cite, « Keynes décrit en libidinal ce que les économistes appelaient hypocritement, c'est ce que apporte Lyotard à ce moment-là, hypocritement, rapidité de circulation. » Donc l'hypocrisie, c'est bien sûr de mettre la rapidité de circulation sur la monnaie et pas sur le corps libidinal, justement. Mais Keynes reconnaît justement que cette rapidité de circulation est libidinale. Mais il y a une répression et une suppression de cela, parce que Keynes, comme les Keynesiens, les néo-Keynesiens aujourd'hui, craint justement la cruauté et la violence de cette vitesse. Mais Lyotard s'intéresse justement à ce moment de violence, ce moment d'intensité. Et il cite alors Jacques Néret, et je cite de nouveau Lyotard. Et Jacques Néret observe, et puis il cite Néret, la disparition de la durée des règles, les cerveaux et les nerfs des hommes. Et c'est cette disparition de la durée qui intéresse Lyotard. Il y a des moments où il y a des événements où la durée disparaît. La question est, comment? Quel est l'effet de cette disparition? Et que nous enseigne-t-elle? Et je pense que pour Lyotard, même dans Économie libidinale, ces moments d'intensité du temps nous montrent un moment éthique. Un moment où il faut passer à un jugement et à un témoignage, pour reprendre les expressions d'un livre qui apparaît beaucoup plus tard, Le Différent. Voici, je vais le citer en longueur, c'est un colloque à Lyotard-Deleuze, je veux les citer tous les trois, il faut bien montrer que c'est Deleuze et Guattari qui s'intéressent à Lyotard. Voici les mots de Lyotard sur la crise de 1929. Ce qui fascine dans cette crise de 1929, c'est qu'on entre alors dans un autre temps, vertigineux, fait d'autant de temps qu'il y a d'échanges, tout semblable à celui de notre labyrinthe. Donc, le concept majeur d'économie libidinale est un concept qui se rapporte au temps, parce que, ou plutôt, à un temps très spécial, un temps de vertige. Donc, un temps de coupure, de césure dans le temps. On va le voir. La prochaine phrase, c'est la phrase qui m'a fait penser à Deleuze et Guattari, et ce qu'il disait dans l'Anti-Oedipe. Voici la phrase de Lyotard. C'est le temps de la fuite, où, lors de chaque transaction, celui des échangistes à qui échoua le papier monnaie court s'en débarrasser.
non pas pour pouvoir aborder une transaction ultérieure dans la même position améliorée, donc par rapport à un capitalisme sage, si l'on veut, où l'inflation reste à 2,4%. Celle du vendeur, qui est au contraire maudite, mais dans l'espoir de constituer un stock de fromage et de rétablir une unité de référence indépendante de la monnaie et qui pourrait valoir comme une bonne monnaie. Mais nous voyons maintenant que la fuite, que l'idée de fuite qu'utilise Lyotard dans le labyrinthe n'est pas du tout l'idée de fuite qu'on retrouve chez Deleuze et Guattari. Ce n'est pas une ligne de fuite, une fuite, une échappée, une fuite du système, mais plutôt une fuite effrénée au sein du labyrinthe. On va bien sûr poser la question, mais ne devrait-on pas, au sein de cette fuite effrénée dans le labyrinthe, chercher justement ou se laisser emporter par des lignes de fuite? Et je crois que ce que Lyotard voit, et il voit d'une manière plus éthique et plus sympathique que Deleuze et Guattari, c'est que dans ces labyrinthes, il n'y a parfois aucun moment d'échapper, aucune possibilité d'échapper. Il faut justement réfléchir à comment vivre dans ce moment vertigineux, à ce que nous enseigne ce moment vertigineux, plutôt de croire qu'il y a justement des lignes de fuite. Il continue, et je le cite de nouveau, « Il faudrait imaginer chaque rencontre du fromager avec les roubles comme un événement insupportable qu'il fuit. » Donc cette fuite est une fuite de quelque chose qu'on ne peut pas supporter, une fuite très différente. « Et imaginer que sa fuite ne manque jamais de lui faire rencontrer plus loin des billets encore. » Et ça, c'est un réalisme de Lyotard. De voir que justement, toute fuite dans ces moments d'inflation nous force à nous rabattre. Deleuze et Guattari ont critiqué Lyotard, justement, de ce moment où il se rabat. Mais Lyotard, du moins dans l'économie libidinale, voit que dans nos fuites, nous sommes forcés à nous rabattre. Et essayez de vous débarrasser de cet argent quand vous fuyez. Et vous allez en avoir encore, et encore, et encore, et encore plus. Et imaginez que sa fuite, il continue, ne manque jamais de lui faire rencontrer plus loin des billets encore, davantage de billets. Et il continue. Et d'une fuite à l'autre, pas d'identité, pas même la simple différence quantitative. Le labyrinthe de Lyotard est un pur labyrinthe. C'est un labyrinthe qui n'a plus de possibilité de mémoire, où l'on est constamment perdu. À chaque tour, on rencontre quelqu'un qui a ramassé vos cailloux ou votre fil. Vous êtes de nouveau perdu à chaque fois. Pas même la simple différence quantitative, plus ou moins d'argent, parce qu'il y a cette folie de l'hyperinflation. Chaque échange fait événement, ce concept qui parcourt tous les travaux de Lyotard, des plus tôt, discours figure, jusqu'au plus tard, toujours cet intérêt avec l'événement. Mais c'est justement un événement qui ne permet pas des lignes de fuite, ou du moins qui nous force à penser ces lignes de fuite par rapport au temps d'une manière différente que le font Deleuze et Guattari. Chaque échange fait événement, et maintenant nous voyons encore une expression qui nous montre que cette fuite se rapproche de celle de Deleuze et Guattari, mais n'est pas la même, ouvre une espèce d'aventure, une espèce d'aventure. Mais pas une aventure de fuite, d'une ligne de fuite, mais une aventure où il y a toujours un débat ou une agonie avec la mort. Et il continue, où la mort est en jeu.
J'ai commencé à quelle heure? C'est, voilà, le temps. Laurent est au lit. Vers 11h30. Vers 11h30, donc ça va. Donc, pour Lyotard, ces moments de temps accélérés dans le labyrinthe sont des moments d'interruption, où il n'y a pas de continuité. Et c'est dans ce manque de continuité que nous rencontrons une sorte spéciale d'événements. Des événements qui nous font, ou qui nous apportent face à face à la mort et à la mort de l'autre, et qui nous font repenser nos actions, notre aventure. Mais qui n'ont plus, ou plutôt qui n'ont plus, et qui ne nous permettent pas de nous échapper, et qui nous forcent à nous rabattre à chaque fois, toujours recommencer. Mais justement, en 1968, dans différences et répétitions, dans sa grande métaphysique du temps, Deleuze a déjà réfléchi sur ces moments dans le temps où il y a des coupures, des fêlures, induites par des césures dans le temps. Mais ce qu'on va voir, et ce qui prépare les travaux ultérieurs avec Guattari, c'est que Deleuze voit ces césures et puis y introduit une sorte de continuité après la césure. Et une sorte de continuité que Lyotard, lui, ne permet pas. Et ce n'est pas qu'il ne la voit pas, c'est qu'il ne la permet pas parce qu'il n'accepte pas que l'événement, justement, permet cette synthèse que Deleuze va introduire. Donc, c'est un moment très intéressant dans la philosophie du temps de toute une série de penseurs French, voilà. Derrida, Lyotard, Deleuze, parce qu'ils se portent sur notre plus grand penseur, bien sûr, sur Shakespeare. Le temps, hors de ses gonds, dit Deleuze, signifie au contraire le temps affolé. Donc là, en plein accord avec Lyotard. Le temps de ses gants signifie au contraire le temps affolé du labyrinthe. Deleuze continue, sorti de la courbure que lui donnait un dieu, c'est-à-dire un ordre extérieur du temps. Libéré de sa figure circulaire trop simple, affranchi des événements qui faisaient son contenu, donc ce n'est pas du tout des événements dans le sens positif et affirmatif de Deleuze ou de Lyotard à ce moment-ci, c'est des événements placés dans le temps, placés selon un ordre, qui faisaient son contenu. Le contenu du temps, c'est des événements bien placés. Renversant son rapport avec le mouvement, bref, se découvrant comme forme vide et pure. Voilà le moment du temps affolie, c'est un mot que je peux me permettre en français, c'est du temps affolie de Lyotard. Affolé, voilà, c'est mieux. Et Deleuze continue en introduisant justement cette interruption dans le temps. C'est la césure et l'avant et l'après qu'elle ordonne une fois pour toutes qui constitue la fêlure du jeu. Donc, comme dans le labyrinthe, il y a une fêlure, un accident, un bouleversement libidinal au niveau du jeu où une fêlure s'introduit parce qu'il y a une césure du temps. Et c'est une description exacte. Il suffit de se mettre dans ces moments d'accélération pour justement rencontrer ce qui se passe. Se mettre à la place justement du fromager russe, où toute notre identité disparaît dans ces moments d'accélération du temps. Nous ne sommes plus un jeu whole, entier, mais un jeu strictement porté sur ce moment de crise. Ce fromager n'a plus de nom,
il n'a plus d'enfant. Tout ce qui compte pour lui, c'est cette horrible monnaie et trouver du fromage. Rien d'autre. Et le problème est que chaque fois qu'il va trouver du fromage, il va recevoir de l'argent. Son jeu est fêlé, son moi est vide. Et Deleuze continue, un peu plus loin. Ayant abjuré son contenu empirique, ayant renversé son propre fondement, le temps ne se définit pas seulement par un ordre formel vide, et voici où il réintroduit une continuité, mais aussi par un ensemble et une série. Chaque coupure dans le temps chez Deleuze n'est pas seulement une coupure, mais est aussi un ensemble, un rassemblement du temps et une mise en série du temps. Donc au lieu de se trouver dans un labyrinthe où on tourne, après chaque césure, le temps reprend. On ne se libère pas de la césure. La césure reste là. Mais il y a une synthèse qui inclut la césure dans un ensemble et dans une série. Et c'est là que Deleuze peut se permettre des nouveaux départs, des lignes de fuite, dans des créations nouvelles, à partir de la césure, où il y a une nouvelle continuité, mais une continuité qui se libère du passé, mais qui remet le passé dans une nouvelle série. Donc il y a coupure, création et transformation pour Deleuze avec la césure. Mais pour Lyotard, il y a un arrêt et une stase, un enfermement dans l'événement qui nous force à réfléchir sur cet événement d'une manière éthique plutôt que stratégique. Pour Deleuze, il y a toutes les questions de quelle création, quelle nouvelle série, par qui, pour qui, vers quoi. Pour Lyotard, dans le labyrinthe, ces questions sont insensées. Et c'est pour cela que sa pensée se rabat toujours. C'est pas parce qu'il n'a pas pu penser plus loin. C'est parce que sa philosophie du temps, ou plutôt son expérience de l'événement dans le temps accéléré au maximum, bloque toute possibilité d'une nouvelle mise en série. Et voilà la différence qui explique justement cette critique, mais justement se retourne contre elle dans l'Anti-Oedipe de Deleuze et Guattari. Je vais m'arrêter là, je m'excuse de tous ces fromagers russes, il fallait y passer. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors on peut passer à la discussion. Corinne Enodo. Oui, je suis assez émerveillée de ce que tu as fait. Je suis d'accord sur beaucoup de choses, en particulier sur la différence entre la fuite et l'arrêt et la stase. La seule question pour moi est savoir si cette stase dans le labyrinthe. Je suis d'accord avec toi qu'en fait, il doit déjà y avoir l'idée que c'est le moment où il faudra que le jugement revienne. Mais il me semble que dans l'économie libidinale, cette stase n'a pas encore statut éthique, sauf le fait que lui écrit le livre. Mais l'autre passage qui est toujours utilisé dans l'économie libidinale, contre justement... contre ce livre, qui est l'absence d'éthique, c'est au contraire que cette accélération du temps qui passe aussi sur le corps du travailleur,
le travailleur à la limite peut en jouir. Toujours le texte qu'on cite pour dire à quel point ce livre a été loin dans le reniement de la justice. Donc je me demande quand même si dans la stase que tu lis, je crois que tu as raison dans le fond, mais je veux dire tu le lis à partir de la fin. Voilà. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et je lis justement c'est en lisant ce livre à partir de ces réflexions sur le temps que je le fais parce que plus tard quand Lyotard parlera du sublime, on retrouvera justement ce moment de stase et d'arrêt du temps. Et c'est donc en relisant cet arrêt que j'introduis ce moment d'obligation, si on veut. Mais je pense qu'il y a cette possibilité parce que même dans ces moments où l'on peut parler de la jouissance du travailleur, par rapport à des choses extraordinaires comme des bruits extrêmes. Dans Économie libidinale, il y a quand même une sorte de sympathie avec chaque vivant coincé dans le labyrinthe. L'animal où il y a une sorte de torture par des scientifiques qui courent de plus en plus vite, ou son ami perdu dans le musée qui tourne, ou justement ce fromager russe. C'est pas qu'il y a un manque de sympathie du tout, c'est qu'il y a une attention extrême et une connaissance extrême de la tentation de nier le labyrinthe en faveur de la sympathie. Et c'est pour ça qu'on peut parler de ce livre comme un livre nietzschéen. Mais pour moi, la sympathie y est quand même. Voilà, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Anne Sauvagnargues. Oui, merci James de nous avoir conduit du bouchon au fromage, ce qui est un bel hommage à l'écriture française. J'étais très intéressée aussi par ton développement et par le fait que vous avez pointé le problème du temps gagné du temps. Donc c'est plutôt une proposition, une suggestion qu'une question. Je voudrais suggérer que tu pourrais mettre en relation le problème de gagner du temps avec celui de l'expression veneuse, le temps c'est l'argent. De telle manière que le temps c'est l'argent, on gagne du temps. De telle manière que l'accélération du temps n'est plus pensée comme sur un mode un petit peu absolutiste, comme une autre phase de la temporalité, mais pose le problème, disons, économique et sémiotique du rapport entre temps et capitalisme, oui. Et capitalisation. De telle manière que ça fait un peu une boucle supplémentaire en réalité dans ton exposé entre ton premier roman, Case, et puis ton second roman avec le texte Time Out of Joy, temps qui s'est dégondé. Parce que le temps qui se dégonde, Shakespeare, en réalité, c'est quelque chose qui propose une temporalité qui n'est plus liée simplement au temps cosmologique de la croisière de la petite planète Terre autour du Soleil. Et qui en réalité comprend le temps cosmologique plutôt comme une sorte de temporalité écologique liée au destin de la petite planète, et non plus quelque chose qui serait un cadre en général de l'univers. Et donc ça va aussi dans le sens, disons, d'une pensée, disons, politico-économique de la temporalité. Et du coup, il semble que ça a introduit entre deux résultats, de ce point de vue, le problème également de la performative du langage. Et
pourrait évoquer le quatrième plateau de Néoplaton, qui commence aussi par un problème qui se d'implantation, d'évaluation, et qui pose à l'évaluation non pas comme quelque chose qui arrive au temps et à la monnaie, dans une économie, pensée comme indépendante, disons, des actions sociales, mais qui est pensée comme un usage performatif du langage. On a décrété qu'on passe de la vieille monnaie au Reichsmark, au Rentenmark, le 20 novembre 23. Voilà. Et je crois qu'ici, il y a aussi quelque chose de très intéressant pour moi, hein, sur lequel j'en ai beaucoup entendu, qui est le rapport que l'État français peut être comme dialogue du signifiant, et que de les pratiquants, du côté des sémiotiques, entre-temps, langage et économie, entendu comme plus monétaire politique. C'est un intérêt que Lyotard a porté par rapport à l'économie à travers vraiment très très longtemps. Quand il analyse la crise en France, quand il écrit pour Socialisme ou Barbarie, il observe déjà la manière dont la nécessité de gagner du temps transforme les vies, mais de fond en comble. Et il le voit pas seulement d'un côté langagier, dans ces textes qui viennent très tôt, mais d'un côté langagier culturel. Il y a des belles phrases sur la télévision, par exemple, qu'il observe dans ces moments-là. Et puis commence toute une réflexion de Lyotard sur la relation entre la révolution et la gestion de la technologie de gagner du temps économique. Et c'est pour ça que dans Économie libidinale, il s'intéresse tellement à Keynes. Et ce qui me fait penser que Lyotard voit les choses un peu d'une manière différente du côté du capital aussi que de Deleuze et Guattari, c'est que qu'il voit cette règle générale de gagner du temps comme justement générale. Et chez Deleuze et Guattari, c'est pas tout à fait la même chose. Dans leur idée d'axiomatique, on pourrait bien penser que cette axiomatique permet au capital justement d'établir une nouvelle règle où gagner du temps justement ne serait pas une idée centrale pour l'axiomatique. Un axiome central, c'est mieux. Mais justement parce que pour Lyotard, plus que pour Deleuze et Guattari, le temps reste l'étalon et le moment de clivage entre l'événement et la capture de l'événement par justement la nécessité de gagner du temps. Et c'est pour ça qu'il situe la résistance par rapport à ce temps qui sort de ses gonds. Mais je n'ai pas répondu au côté langagier de ta question, surtout du côté du performatif. Et c'est parce que, justement, ce moment éthique dont je parlais n'est pas langagier pour Lyotard. Il arrive dans le langage, mais il ne peut pas être réinscrit dans les régimes du langage.
dans différents du moins. C'est un moment d'affect pur qui ne peut pas être réinscrit. Et je ne voudrais pas le penser d'une manière d'un performatif langagier. Comme si tout se passait sur un niveau de bataille langagière, si l'on veut. Il y a un abîme, voilà. Il y a un abîme ouvert par l'événement qui n'est pas un abîme que l'on pourrait penser d'une manière performative. C'est cela qui me gêne un peu pour répondre à la question. Jean-Michel Samansky. Bonjour. Oui, merci, moi aussi, l'exposé m'a incroyablement gratifié. Vous avez vraiment fait saisir un truc hyper juste et hyper important. Écoutez dans la réponse que tu as faite à Corinne, propose une réinterprétation du code de l'économie libidinale en insistant sur le fait que le livre économie libidinale est toujours affectivement et éthiquement auprès du sujet pris dans le livre. Donc je vais juste repasser dans les traits de ce que tu as dit, parce que en réalité, la critique formulée par Deleuze et Guattari que tu as citée, hein, d'où vient que, elle a été acceptée par l'État. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que l'État il a entendu cette critique comme lui disant le statut du figural reste un statut critique. Ça reste le statut de quelque chose qui s'inscrit négativement à des procédures ayant leur négativité par rapport à l'ordre du signifiant du texte. Et donc il a cherché à faire au fond comme de Guattari il y engageait. Et c'est le sens de l'économie libidinale. Il a essayé de proposer lui aussi des espèces d'évasions hyper rapides, nous gratifiant de dimensions insoupçonnées et donc rendant même obsolète et ridicule l'hypothèse de cet ordre dans sa culture. Donc, il a essayé de cette carte, mais ce que tu nous as excellemment décrit, c'est que même quand il essayait de faire ça, ce à quoi il arrive, c'est le labyrinthe et le blocage dans le labyrinthe. C'est-à-dire que la fameuse fuite qu'il y a dans l'économie libidinale, ce livre qui est écrit dans une sorte de mouvement qu'on peut considérer comme analogue au mouvement de Lévinas, néanmoins, le passage intense raconté par Lyotard dans ce livre même est de l'ordre du blocage, et avec tout le statut du sujet dans ce blocage que tu as décrit. Et donc, finalement, ce que tu nous as montré, c'est que la vraie différence, elle n'est pas dans deux évaluations de ce qu'on peut faire vis-à-vis des systèmes structurels, mais elle est dans cette espèce d'alternative qui doit correspondre à des actions de très profonde sensibilité entre une philosophie qui est tout le temps attirée par le mouvement et qui essaie de décrire le mouvement même au-delà de ses conditions logiques ordinaires. Et d'un autre côté, une philosophie qui, au fond, est irrésistiblement attirée par la circonstance du blocage qu'on ne peut pas nier, ce que tu as dit tout le temps. Et moi, je trouve ça très frappant. Et merci encore pour ton expose. Merci, c'est très gentil de belles paroles. Je suis d'accord avec... Non. C'est une question du statut de l'événement dans le discours figure. Quand Lyotard parle de l'événement et du figural, il y a déjà une annonce de ce qui va suivre. Et il sera donc question de jusqu'à quel point pouvons-nous lire discours figure à partir d'économie libidinale, puis des textes ultérieurs, où ce concept de l'événement, justement, continue. Il y a des moments dans le discours figure, dans les lectures de l'art, par exemple, où on pourrait introduire un passage vers les textes ultérieurs. Je pense à son analyse de la ligne chez Picasso, par exemple. Cette ligne qui ne délimite pas, qui n'est pas une limite,
qui est intérieur et extérieur toujours. Et il multiplie justement ces... Et le concept de figural lui permet d'expliquer la condition de cette ligne. Et c'est là que peut-être, parce que je suis d'accord avec toi, que peut-être on pourrait relire discours figure de cette manière-là. Une petite parenthèse, il y a plusieurs mois, mais assez récemment, dans un an à peu près, la traduction de discours figure vient de sortir en anglais. Et c'est un moment très important dans l'interprétation de Lyotard. Parce que c'est un livre qui n'a pas été assez lu. Enfin, vous le lisez, mais nous ne le lisons pas, parce qu'il n'a pas été traduit. Et puis... Donc je crois que cela explique beaucoup pourquoi il y a un renouveau d'intérêt dans les travaux de Lyotard en ce moment. Les travaux de Lyotard sur l'art, surtout. Mais aussi... autour du structuralisme et puis aussi d'une certaine philosophie critique de la transcendance. Donc il y a juste dans ces derniers mois 3-4 livres qui sont sortis sur Lyotard de nouveau. C'est, il y en a plusieurs justement. C'est un livre où la traduction n'est pas sortie parce que la traductrice est morte justement. Et c'est pour ça qu'il y a eu le retard. Mais oui, c'est une histoire extraordinaire. C'est pour ça qu'il est pas sorti. Élie Düring. Moi aussi, l'exposé m'a donné beaucoup d'idées, mais alors, la question est surtout sur le versant 2. Je me demande comment vous articuliez à cette affaire, quand même tout un pan aussi de la réflexion de Deleuze, qui prédate un peu la discussion avec Lyotard, qui est plus sociologique du sens. On trouverait quand même, au-delà de la forme pure et vive du temps, dont vous montrez très bien qu'en fait elle se resérialise et elle produit des lignes temporelles. Il y a aussi cette idée d'un temps improductif, lié aux événements incorporels, l'aïeul stoïcien qui débouche sur quelque chose comme une éthique un peu étrange. Et on pourrait trouver symétriquement une sorte d'installation dans le temps évidé de l'événement. Oui. Le temps improductif, il existe aussi chez Deleuze. Donc, vous voyez, comment dans votre esprit ces deux Deleuze s'ordonnent autour de Deleuze? C'est une très bonne question, et c'est une question où je me trouve un peu isolé, seul, triste. Parce que beaucoup de lecteurs de Deleuze, justement, s'intéressent à la priorité de l'Aïon. Je lis plutôt Aïon et Chronos comme un processus lié. On peut donc penser l'Aïon sans penser Chronos. Donc je lis la relation Aïon-Chronos comme on pourrait lire la relation actuelle-virtuelle dans différences et répétitions. C'est une lecture peut-être réductrice. Mais si on suit cette lecture réductrice, l'idée que l'Aïon... peut-être penser d'une manière lyotardienne, si l'on veut, n'est plus si attrayante ou possible. Parce que... l'on peut le rencontrer d'une manière assez simple, dans la nécessité d'expression, par exemple. Dans la nécessité d'expression, dans la blessure, par exemple, que l'on retrouve dans Logique du sens. Lyon... qui est exprimé peut être rapporté à la césure qui est remise en série. Donc là on voit de nouveau cette
création, renouveau, mise en série. Et c'est cette nécessité-là que Lyotard n'accepte pas. Comme description du réel, presque. Donc, le différent profond est autour de la réalité du labyrinthe. Mais je suis d'accord avec vous, c'est une lecture peut-être forcing, je ne sais pas comment dire en français, forced lecture, forcée. C'est une lecture forcée peut-être de logique du sens. Peut-être. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Dans cet exposé très très intéressant, à un moment donné, vous avez établi une distinction entre les deux lignes de fuite, entre guillemets, de Deleuze et de Lyotard. Donc, elles font la première de vie éthique et la deuxième de stratégie. Mm-hmm. Oui. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu, surtout que Deleuze, je pense qu'à un moment donné, il distingue entre coupure, césure et fébuleuse. Donc il me semblait qu'il y avait aussi une dimension éthique chez Deleuze. J'ai beaucoup pensé là-dessus parce que ça va au cœur des choses, cette question. J'ai beaucoup pensé là-dessus parce que dans la ligne de fuite, il y a toute une série de d'accélération, de ralentissement, de décision, de choix, où il ne faut pas aller trop loin, pas aller trop vite. Et alors je me suis dit, est-ce que c'est là qu'il y a justement, dans cette stratégie, une sorte d'éthique qui pourrait guider ces décisions? Et on le retrouve chez beaucoup de travaux sur Deleuze en ce moment, autour de l'idée du bon dosage. Voilà. Et je pense que la ligne de fuite de Deleuze et Guattari, avec cette idée de bon dosage, n'est pas celle d'une éthique que l'on retrouve chez Lyotard. Parce que le bon dosage est propre à chaque ligne. L'éthique de Lyotard arrive avant toute ligne. Et si l'on regarde les travaux ultérieurs de Lyotard, s'applique à toute ligne. Il n'y a pas un comportement qui pourrait s'affranchir du devoir. J'aime pas le mot devoir. That's where French lets me down. Bon, je vais dire devoir, c'est pas le bon mot. Du devoir de témoigner du différent. Tandis que chez Deleuze et Guattari, à chaque fois, il faut réinventer cette stratégie et ce dosage. Donc c'est là que je vois une différence. Mais je suis d'accord avec vous que l'on pourrait lire ces questions de dosage comme des questions éthiques. Mais ce ne serait pas une éthique en dehors d'une ligne. C'est au sein d'une ligne qu'elle se formerait. Et je pense que même l'idée d'éthique serait apporterait des risques sur la ligne de fuite de Deleuzienne, parce que elle apporterait une continuité, si l'on veut, transcendante ou extérieure à la ligne, cette éthique. Par contre, le dosage se réinvente à chaque fois. Un peu plus, un peu moins, mais sans règle transcendante. Mais c'est vraiment, oui, c'est une question qui va au cœur des choses. Tatsuya Igaki. Oui, merci beaucoup. J'ai une question. Dans le deuxième chapitre de l'expérience de la question, Gilles Deleuze a discuté de
fois d'après présent. La première fois, c'est comme santé passée. Et justement, en utilisant le terme de psychanalyse, et aussi libido, thanatos, etc. Et dans votre point, vous avez parlé beaucoup de choses. C'est-à-dire le coupe de temps, et Hassan prête le temps, et la série de temps, et la nouvelle curation. Et je veux savoir, cette théorie, cette explication du troisième temps de Deleuze a quelque question de Thanatos, peut-être c'est Thanatos, et quelle relation y a-t-il dans le cadre de la deuxième chapitre de Grâce et Prophétesse? Et donc, tu veux savoir les thésures, le problème de libido thanatos, et cette question a quelque relation de la théorie de la pensée de Lyotard ou non, c'est la merci de la question. On peut se rapporter au texte, c'est juste après cette discussion de la césure et de la lecture de Hölderlin, justement. Que Deleuze réfléchit sur la répétition dans l'histoire. Et il se tourne vers Marx et la tragédie et la comédie. Et c'est juste après cela qu'il se tourne vers le Thanatos et Freud. Et je pense que c'est parce que les deux morts dont parle Deleuze dans différentes répétitions se retrouvent dans cette troisième synthèse. Et il y a donc Eros et Thanatos ensemble, si l'on veut. Et l'on voit pas à ce moment-là, mais à un moment extraordinaire de différentes répétitions, c'est le moment où Deleuze parle de la mort de Zarathoustra par rapport à la troisième synthèse. Et je crois que c'est là que je verrai, que je dirais que qu'il faut penser à la mort comme nécessité dans la troisième synthèse, mais comme incomplète. Il faut justement toute cette autre série de morts. Je commence à me fatiguer là, alors my French is falling apart. Il y a toutes ces morts qui sont des morts secondaires, des morts dans la création. Et c'est pour cela que Zarathoustra doit mourir. Donc la troisième synthèse est justement le moment où Deleuze repense la mort. Oui. C'est une mauvaise réponse, je m'en excuse, mais c'est ma réponse. Vous aurez le déjeuner pour en reparler. Merci beaucoup à tous. Donc on se retrouve à 14h ici.